Hey, y'a bien YouTube, c'est Sean Kazma et j'espère que vous allez bien. On est de retour aujourd'hui, jeunes gens, pour le 17ème épisode de notre aventure, toujours sur God of War 4 et toujours en compagnie du duo le plus incroyable, mais aussi le plus testostéroné de tout Midgard. Jeunes gens, nous sommes toujours avec Kratos et son petit-fils Atreus. Alors, nous sommes de retour dans une petite zone dévastée par la guerre, le sang, la gloire et la neige avant tout. Mais en plus de ça, cet immense cadavre de géant, ma foi, qui est d'ailleurs un peu plus grand que ce que je pensais. En fait, c'est simple, quand je suis arrivé dans cette grotte là-bas, qui est donc couverte par la main de ce géant, je pensais qu'il s'agissait d'un dos, d'un ventre ou d'une surface du corps, mais ce que je ne m'attendais pas à voir, c'était qu'il s'agissait que d'un doigt, enfin un doigt ou plus ou moins une main. Ce truc est beaucoup trop gros, si jamais il se réveille, on aura bien plus qu'un problème, mais honnêtement je ne m'y attends pas. Alors, Mimir nous a indiqué le chemin, même si en vérité normalement il fallait prendre ce portail que je n'ai jamais entrepris. J'ai totalement fait le tour à la When Again Abyss to Fly, et avant de s'en rendre compte, jeunes gens, on a poursuivi la quête principale. Donc écoutez, tant mieux, même si j'aurais bien voulu m'attaquer un petit peu à de l'annexe, histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemble. On a vu pas mal de nouveaux mobs, et du coup on va en voir un nouveau, puisque je n'avais pas vu la dernière fois, mais regardez ce que j'ai trouvé là. Il y a un golem de glace qui fait dodo, donc sûrement que les golems seront plus ou moins toujours de la même manière, c'est-à-dire regroupés dans leur coin, et peut-être qu'il faudra aller les chercher si jamais on veut des ressources, puisque je vous rappelle qu'il existe des armures de type épique qu'il faut forger une fois qu'on a toutes les ressources nécessaires. Mais en attendant, avant de faire ce premier golem, on avait cette énigme à propos d'un cristal qu'il fallait ramener juste ici, et on se demandait, jeunes gens, où pouvait être ce cristal. Alors, j'avais plus ou moins supposé que le cristal, ça devait être celui-ci. Mais ce que je n'avais pas remarqué, c'était que aux alentours, il y avait une surface rouge, cette fameuse surface qu'on peut retirer depuis que l'on possède les flèches de foudre. Voilà. Et qu'Atreus va me permettre d'activer pour récupérer ce dit cristal. Voilà. Tout ça je l'ai plus ou moins vu à la fin de l'épisode précédent. Au passage, et j'ai l'occasion de relire un petit peu vos coms depuis l'épisode précédent, enfin précédent, depuis l'épisode dernier que j'ai sorti, qui est le 14e je crois pour vous. Moi je suis à l'épisode 17, donc j'ai deux épisodes d'avance. Déjà je vais essayer de me corriger un petit peu par rapport à tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent. Premièrement, les J dans l'univers, enfin dans la mythologie nordique, ne se prononcent pas comme des J mais comme des Y en fait. C'est à dire qu'au lieu de dire Jotunheim, pardon, on dit Jotunheim. Et ça je m'en suis rendu compte moi même en fait. Dès que j'ai entendu Mimir parler des 9 royaumes, je me suis dit, ah tiens, peut-être qu'en fait depuis un moment je le prononce mal, donc on va arrêter de dire des conneries et on va tenter de s'y mettre réellement. Attendez, parce qu'on l'a pas activé, du coup qu'est-ce qui se passe quand je l'active? Ah merde, c'est une brèche. Ouais, alors moi je veux bien, mais déjà on la brèche, on la voit pas. Et ensuite, est-ce que je peux savoir le level? Je sais pas, parce que j'ai vu que les brèches étaient indiquées sur la boussole, enfin sur la carte, mais on n'a pas le level, parce que par exemple celle-là c'est une brèche de niveau 7, et celle-là, qu'est-ce qui me dit que c'est pas aussi une brèche de niveau 7, voire plus haut? Et eh ben on sait pas, et eh ben on sait pas. Donc jeunes gens, on va tenter. Après tout, ça nous fournit des minerais légendaires. On va tenter de se concentrer un maximum. Il y a même pas eu de combat. Très bien. Poussière de royaume légendaire, on trouve cette substance infant dans les brèches du royaume. Elle permet de rehausser les propriétés de divertissement. Et eh ben écoutez, tant mieux. Voilà. À partir de ça, on est bien. J'en ai donc découvert 3 sur 18. On est pas mal. Seulement 3 sur 18? Ok, je pensais en avoir déjà fait 3 sur 18, mais apparemment pas. Donc on est parti jeunes gens, on réveille le golem qui fait plaisir. Et on va tenter parce qu'il y a une personne qui me l'a demandé en commentaire. Tu te reconnaîtras, je suis désolé, j'ai totalement oublié ton nom. On va tenter, ah là 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 là, de jouer avec les ballons de foot qu'il produit, parce que s'il fonctionne de la même manière, voilà, que l'autre, il produit ses fameux ballons de foot. Et apparemment il y a possibilité de shooter dedans hors combat. Sauf que pour le moment il faut déjà se débarrasser de l'ancien golem de glace. Même si ça s'appelle juste ancien en fait, ni golem ni rien du tout, c'est tout bonnement ancien. Je remarque que sa barre de vie descend très très vite, donc on va profiter de cette faiblesse pour l'affaiblir le plus possible. Par contre quand il me touche, il déconne pas, hein. Vraiment, voilà, on n'est pas là pour plaisanter. Hop là, non mais sérieusement, attends. Si on s'échange un coup à chaque fois, ça va pas durer longtemps, hein. Donne-moi une Pokéball. Voilà, j'ai récupéré une Pokéball. Allez viens, allez viens. Quoi? Ça m'a pété dans la main. Non mais what? Attends. Ah mais là il y a un cauchemar, c'est peut-être lui. Salaud. Voilà. Ok, ça fait autant de dégâts que si jamais je lance ma hache. Ce qui en soi est triste, j'avais repéré qu'il y avait ce truc là. Allez prends-le, voilà, c'est merci. Ensuite, attendez, il y a un cauchemar dans le coin. Là, salaud, va. Je te vois. T'es pas comme les autres. Pourquoi t'es rouge? Pourquoi il était rouge? Pourquoi il était rougeâtre? Salon va! Voilà, bouffe! La technique de je tourne autour du même poteau, j'aime beaucoup! Voilà, ça m'a au moins permis de faire deux coups gratuitement. Par contre, les cauchemars, si on peut les éviter. Voilà, moi je suis plus favorable aux rêves. Barrez-vous, bande de saloperies! Attendez, je veux. Oh bah je l'ai eu!
Nice. Mais arrêtez de pomper! Oh, vous êtes relou! Alors, certes, on n'a pas fait la brèche qu'il y avait juste ici, parce qu'on a récupéré les ressources gratos. Mais voilà, ça équivaut aussi bien à une brèche. Même si je pense préférer affronter un golem. Déjà en termes de ressources, j'ai l'impression d'y être plus gagnant. Mais surtout en termes de combat et de facilité, on est pas mal. Il s'est replié. C'est un Transformers. Oh, il est à terre! Il est à terre! Couché! Ah merde! Non! Non! Ah, j'ai laissé passer une chance incroyable! J'aurais pu faire un finish terrible sur le golem de lave. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, j'ai un écran noir. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu est de retour. Attendez, on se fait une petite ellipse de genre, je valide tout ça, mais pourquoi il y a eu une coupure? Ok, normalement ça fonctionne, j'ai fait ce qu'il faut pour en attendant, reprise du combat. Alors, c'était un ancien de glace que l'on a affronté. Alors, il s'est passé 10 minutes, même si ça va, le combat, je sais à peu près où c'est qu'il s'est arrêté. On va le gérer, voilà, magnifiquement comme cela, et j'aurais bien voulu que tu ouvres ton trou une dernière fois. Chérie! Enfin, non, on va retirer ce chérie. Aïe! Voilà, c'est bon! L'ancien de glace, c'est fait. Du coup, est-ce que on a la possibilité, jeunes gens, en retrouvant l'une de ces boules, de jouer avec? Non, c'est pas possible du tout. Donc, je suis désolé, tu te reconnaîtras encore une fois, mais c'est pas du tout possible ce que tu m'as demandé. Alors, tout plein de délicieuses ressources, des gravats anciens, des aciers massifs, des cœurs anciens. Ça, c'est quoi? C'est un saut défensif du givre, enchantement, augmente de 20% la résistance aux dégâts de givre. Ah, ça peut être bien ça. Parce que moi j'ai un truc qui fait plus 15% je crois de dégâts de givre. Mais en termes de résistance, si j'ai possibilité de pouvoir faire quelque chose de bien, ce serait cool de voir. Attends, fais voir. Ouais, c'est ça. Moi j'augmente les dégâts de 15% et lui il me protège de 20%. C'est dommage, j'aimerais bien pouvoir mettre les deux. En fait, ce qui serait chouette, parce que là je peux faire ça qu'avec les polières, ce serait de pouvoir faire aussi les gantelets avec une rune, enfin un enchantement, et de faire aussi la taille, mais malheureusement c'est pas possible. Et l'amulette, et pour le moment j'en ai toujours que ça. Bon, on est bien, on est pas trop mal. 3943 pièces, excellent. Je crois qu'on a pour de bon bien vidé la zone. Ok, c'est cool. Il y a un truc bleu là. Il y a un truc bleu, c'est quoi? C'est la terre qui réagit. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce que je peux péter les baraquements? Pas du tout. Ok, Atreus, on dégage. Il y en a marre de cette zone, hein. Elle nous a apporté beaucoup, beaucoup de problèmes. Et on a toujours pas le... Burin. Nani, encore des nouveaux cauchemars, des cauchemars de glace. Attention, bouclier. Nya. Attends, j'aimerais essayer un truc, quoique... Non, attends, ça servira à rien là-dessus. Parce que je sais depuis un moment qu'il est possible de charger sa hache, mais je ne l'avais toujours pas essayé. Le problème, c'est que contre les cauchemars, je one-shot, en fait. Donc que je charge ou que je charge pas, ça fera pas beaucoup de différence. Par contre, quand on aura l'avantage sur des ennemis, genre par derrière, ce qui serait cool, ce serait d'essayer cette capacité pour voir. Alors, qu'est-ce qui se passe, quoi? T'as intérêt à pas te réveiller, mon pote, parce que vraiment, sinon je vais paniquer. Tête de Tamur. Alors, ça a l'air costaud. Comment ça se passe? J'ai un plan. C'est vrai? N'aie pas l'air si surpris. Mon frère, je doute que même Thor, armé de Mjolnir, puisse traverser cette épaisseur de glace. Alors Thor est un idiot. Voilà qui promet du spectacle. Attends, Mentor armé de Mjolnir ne peut pas passer cette épaisse couche de glace. Cette épaisse couche de glace, ça veut rien dire. Non, sérieux? Genre Mjolnir quoi, le marteau. Ok, c'est pas du tout le même personnage qu'on pouvait croiser dans l'univers Marvel, hein, c'est terrible. Ok, le patatage fonctionne plutôt pas trop mal. Je n'ai plus du tout ma rage spartiate que j'ai malheureusement désactivé sans le vouloir. En fait là, ce serait l'occasion par exemple de pouvoir tester. Attendez, le lancer chargé. Voilà. Et c'est pas mal, parce que ça givre plus longtemps. Pas de touche à mon fils. Nyaha, nyaha, nyaha. Oh oh, esquive. Nyaha, 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 esquive. Nyaha, nyaha, nyaha. Finish him. Tu bouffes, coco. Ah, enfin un finish qui a un peu de gueule. Même si on l'a pas fini techniquement. Ok, ça aurait pu mieux se passer quand même, hein. Dans ma tête, non, ça finissait bien mieux que ça. Alors, attends, parce que là, il y en a genre partout. Déjà, les tireurs d'élite, si on peut se les faire, ce serait cool. Même si je m'attends pas à des merveilles, voilà. Les petits, déjà, ils se finissent plus facilement. Voilà, coup de boot dans les dents, ça fait plaisir. Je suis dentiste de profession, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redirai jusqu'au bout. Ah là, casse-toi. Oh, attention. Je l'ai vu me foncer dessus.
Hop là, mais il a un bouclier. Quel sac. Quel... Oh, bien joué, Atreus. Bien joué. Non, dégage derrière toi là. Oh, finish. Est-ce que Atreus peut finisher? Ça, c'est une question. Parce que si Atreus a possibilité de faire des finishes dans son coin une fois qu'il aura la capacité adéquate, je veux bien voir ça. Parce que pour de vrai, ça doit être très 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 stylé. Ok, merci beaucoup. Bien. C'était encore une fois brouillon, mais je tiens à préciser que c'est une nouvelle session pour moi aussi. J'ai tourné, oulala, les trois épisodes à la fois hier, et j'avais tellement, mais tellement envie de jouer par rapport à ce qui s'est passé, que je tenais absolument à revenir très très vite, mais voilà, c'est pour autant mon premier épisode d'aujourd'hui. Tu te couches, sale bébête, en voix grosse, je sais très bien ce que tu vaux, à savoir, pas grand chose. Allez, couche-le, oui, oui, magnifique, c'est l'heure du nettoyage. C'est l'heure du détartrage. Ok, c'est parti. Vas-y, 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 vas-y. Il y avait que ça? Mais non, mais c'est tout naze. Renvoyez-moi des hordes. Renvoyez-moi des... Ah non, mais genre, je veux bien, mais pas ça. Voilà, c'est... vous renvoyez ce que vous voulez, mais pas des jumeaux. Allez. C'est pas les mêmes. Alors attendez, 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 attendez. Parce que j'ai dit des jumeaux, hein, voilà. En pensant qu'ils étaient peut-être de la même famille, mais premièrement... ils sont pas de la même famille. Deuxièmement, je ne suis pas un sandwich. Je ne suis pas un sandwich, et un sandwich après un détartrage, c'est bien connu que c'est pas bon du tout. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Oh, ils se fight. Oh, mais c'est pour ça. Ils sont tellement pas potes. Est-ce que c'est parce que j'en ai pris un pour fracasser l'autre? Parce que si c'est le cas, c'est trop rigolo. Wouah. Comment ils prennent leurs potes pour me patater avec? Oh, c'est terrible. Attends, 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 attends. Parce que là, c'est musclé. Attendez, attendez, attendez. Oh, oh, oh. Attends, je récupère des ressources. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être très chaud. Allez, 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 allez. On finit le bain de bouche, on finit le bain de bouche. Au moins un pour frapper l'autre. Vas-y, 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 vas-y. Allez, ok. On est en bonne voie, on est en bonne voie, on est en bonne voie. Comme on l'a dit, on en prend un pour fracasser l'autre. On en prend un pour fracasser l'autre. On en prend un, oui, pour fracasser l'autre. Magnifique. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, encore une petite, une petite. Non! Ah, dégoûté! Ah, dégoûté! Ah, j'y crois pas, mon gars! C'était à un point près! Je suis dégoûté, je suis dégoûté! Bah voilà! Ça s'est bien passé! Waouh! L'idée, c'est ça en fait, hein. Vraiment, il faut en prendre un pour frapper l'autre. Et du coup, c'est ça, je peux pas jouer au foot avec les boules. Désolé! Du coup, voilà! Ah, eh ben! Eh bé, eh bé, eh bé. Est-ce qu'on va apprendre que les ogres, quand ils sont ensemble, ne pensent qu'à se fracasser? Père est assez fort pour parer l'attaque d'un ogre, mais il lui faut ensuite un instant pour se remettre. Mieux vaut l'éviter. Un petit signe permet d'anticiper les attaques de cet ogre. Père peut en tirer parti pour les esquiver. Mais on savait tout ça, je crois, non? Ah, je sais pas, il me semblait avoir déjà lu. Wouh! Quel bordel! Quel bordel, quel bordel! La vache! Heureusement qu'ils le valent bien. Ah, en termes de ressources, on s'est gavé, les Kazma. On joue pas beaucoup avec les flèches d'Atreus. Effectivement, on devrait peut-être un petit peu plus. Mais avec mes points, pour le moment, on est pas mal. On est pas mal. Oh, d'un lieu, d'un lieu, d'un lieu. Alors, ah, oui, quoi? Approchez. Oui, mais c'est une grille. Pourquoi? Attends, quoi? Quoi, 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 quoi? Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi je pose cette question? Ils sont partout. Le mec, on le croise chaque fois qu'on va dans le trou du cul du monde. La dernière fois, on allait je sais pas trop où dans une zone de Valkyrie et on l'a croisé. Alors qu'il n'était pas du tout sur la route de la quête principale. Hein. Tiens, attrape. Oh, c'est ce qui s'appelle gâcher une pomme qui était parfaite. Par où es-tu passé? Il n'y a nulle part où se cacher ici. C'est un petit tour que mon peuple maîtrise. Une façon de ne pas être vu. Tu peux devenir invisible? En fait, je peux entrer dans le monde qui se trouve entre les royaumes. Et comme ton esprit ne peut comprendre ce qu'il voit, il ne voit rien du tout. C'est comme ça que nous évitons d'avoir à utiliser les armes que nous créons. Mais ça ne marche pas sur les dragons, apparemment. Ton frère se demandait si tu mangeais suffisamment. J'imagine que je peux lui dire que oui. Brock a demandé comment j'allais? Est-ce que son haleine sentait l'hydromel? Ça veut dire occupe-toi de ma hache et tais-toi. La violence. Tu l'as laissé toucher à ta hache. Allons voir ça. C'est pour ça que Brock était dans le temple juste après la baisse du niveau de l'eau. Il est passé entre les royaumes.
Allez, silence maintenant. J'ai besoin du silence complet. Pour mettre un coup de marteau, c'est ça? Magnifique. En fait, ils sont forgerons, magiciens. C'est pour ça. Bon, et bah écoutez, jeunes gens, on n'est pas trop mal. Trouver un accès au marteau. Donc c'est bien ça. Sauf qu'effectivement, je ne sais pas. Est-ce qu'on parle de ce marteau-là? Parce que si c'est le cas, c'est vrai qu'avec ça, on pourrait éclater la glace pour de bon. Mais attends, parce que là, on toucherait pas que cette zone-là. Là, on viendrait défigurer totalement toute la zone. Oh, dindiou. Je passe pas au magasin parce que j'y suis passé la dernière fois, même si... Attendez. Depuis quand est-ce que j'ai autant d'argent? Sans déconner. Je fais un petit tour rapide. Attendez, je retire pas la cam, juste histoire de voir ce qui se passe. Attends, fabriquer. J'ai pas du tout ce qu'il me faut. Donc ça, c'est pour la défense. Ça, c'est la défense. Ça, c'est ce qu'il y avait avant, ce qui n'est pas incroyable du coup. Et tout ce qui est matos épique. Je reviens un petit peu. Il me faut des braises ardentes. Bah, il me faut que des braises ardentes. Comment ça, que des braises ardentes? Pour faire tout ça, il me faut des braises ardentes? Ok. Donc, il y en a un qui est porté plutôt sur la défense, mais genre vraiment pas incroyable. Ça aussi, c'est pas incroyable. Attends, c'est moi ou tout ce matos épique est carrément moins incroyable que ce que j'ai actuellement? C'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors, peut-être qu'une fois que t'as tout l'ensemble, t'as le droit à quelque chose de bien. Mais là, je suis la surprise. La véritable surprise. Il n'y a rien d'incroyable. Est-ce que Atreus... Ah si! Si, voilà ce qu'il me fallait. Je peux lui acheter la cote de tireur supérieur, tir précis et barrage. Et ça c'était quoi? Faiblesse dévoilée, coup renforcé. Augmente les dégâts d'étourdissement et infligés par les attaques au corps à corps d'Atreus. Les ennemis étranglés par Atreus subissent plus de dégâts. Les ennemis en l'air subissent plus de dégâts. Un mode de tir rapide, la dernière flèche inflige plus de dégâts. Non, j'aime bien celui-là. Ça fait très samouraï, je trouve. Si, ça fait un style très Edo. Mais je n'ai pas du tout équipé, ça ne va pas hein. Kazma, tu ne sais pas jouer. En termes de pierre de résurrection, malheureusement, je ne peux pas en racheter. Même si j'aimerais beaucoup. Atreus, voilà, c'est pour toi. Oh, si elle est belle cette tenue, qu'est-ce qu'elle est stylée. Et en termes de points de compétences, on verra aussi plus tard. J'aime bien faire en même temps, jeunes gens, mais là actuellement j'ai beaucoup de ressources pour pas grand chose. Donc on va économiser. J'ai vu ça tout à l'heure en pleine cinématique. Qu'est-ce que ça fait? Ok, oui, très bien. Alors attends, si je fais ça et que je fais... Ok, je lui ai réactivé la moustache. Est-ce qu'on va tenter de réveiller le géant? Est-ce que c'est possible, ma foi? Est-ce que il a une haleine tueuse? On peut lui éclater des dents? Non mais attends, c'est trop bien. Attends, je vais m'amuser, hein. Ah, dommage. Non, c'était trop stylé. Est-ce que j'ai découvert une ressource secrète que je peux pas aller récupérer? C'est dommage, c'était vraiment trop stylé ce qui se passait. Alors, là, on a quoi? On a un trou où je ne peux pas aller. Là, je peux aller faire un tour. Et là, je peux aussi aller faire... Oh, pas du tout. Non, pas du tout. Ça, par contre, voilà, je prends. Je sais pas comment est-ce que je fais pour passer à côté de ça, mais 1267 pièces, jeunes gens, on ne passe pas à côté. Fois de Kazma. Mais je suis coincé. Attends, qu'est-ce que... J'ai totalement désactivé cette pierre au passage. Je ne sais pas du tout comment j'ai fait. Et comment je descends? Ah là! Est-ce que c'est pas dans la continuité justement? Ouais, c'est ça. Attends. Il faut réactiver sa moustache. Vas-y. Ah, mais merde! Ça va le faire. Pas de problème. Ça va être chaud. Atreus, viens à côté de moi. Atreus, bouge-toi. Atreus, bouge. Voilà. Il a fait un pas, ça devrait suffire. Attendez. Parce que ça. Oui, c'est bon, on l'a eu. Vas-y, active ta moustache. Non, il veut pas. Attends, je l'ai pas activé. Ah non, c'est comme ça, oui, c'est comme ça qu'on l'active. Mais je pensais d'avoir activé sa moustache. Vas-y, bombarde. Mais bordel, attendez, c'est super dur en termes de précision. Vas-y. Oui. Magnifique. C'est pas du tout celui que j'ai eu, que je pensais, mais voilà. Non mais, regardez-moi ça, on a éclaté tout ça grâce à la barbe de ce géant. C'est pour dire la force du truc, quoi. Ça doit peser une tonne, ce machin. Une tonne de poids. Attends, mais cette animation. Déjà, de loin, c'était impressionnant. Mais alors, de près, c'est vraiment terrible. Tu m'étonnes que ce jeu a 20 sur 20. Après, 20 sur 20, c'est énorme. Moi, j'aurais mis un petit 18. Voire même carrément un 19. Ouais, parce que vraiment, le jeu a de la gueule, quoi. Sur tous ces points. Que ce soit le gameplay, que ce soit le système de craft, l'histoire, tout. Mais 20, c'est pas possible, le 20. Même si, faut quand même reconnaître que... Ah, t'es pas loin de les vouloir ton vin, hein. T'es pas loin de les valoir. Ok, un rat. Dommage. Voyons voir, une porte. Qui mène vers quoi? Un temple avec une épée plantée dans le sol. Pas du tout. Concentre-toi. Qui es-tu? Qui est cet homme? Attendez, il est vivant? T'es vivant? Je crois que tu es vivant.
Oh la vache, mon gars, mais t'es énorme! Je ne suis pas sûr qu'il soit vivant en vérité, hein. Ça doit être une espèce de gardien, un zombie, une connerie comme... Wow! Wow, 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 wow! Ouais, je pense pour un zombie à la Dark Souls. Alors ça, effectivement, ça fait très 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 Dark Souls. Toi, je sens que tu vas me poser quelques problèmes, mon gars, oh là là! J'ai failli éclater son casque, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai failli éclater son casque! Allez, 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 viens, 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 viens! Bien, il y en a un à côté de moi, il y en a un à côté de moi. Où ça? Où ça? Là, au-dessus, il y a un Dalsim. Oh, il y a un Dalsim. Oh bordel, c'est ça, c'est des humains. Ah là 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 là, ça va être terrible, ça va être terrible. Il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas d'autres. Où es-tu? Où es-tu? Là! Attends. Ça va le faire, ça va le faire. Atreus? Atreus, Atreus? Tu peux pas l'aveugler, tu peux pas faire un truc? Eh ben non, oh là là, oh là là, oh là là. C'est terrible ce qui se passe. Non, honnêtement, il est faisable, mais vraiment de face. C'est-à-dire. Wow! Quand t'as pas trop l'occasion de te battre, dégage! Voilà, s'il vous plaît. Ok, le Dalsim en moins, déjà, ça fait oh, une nette différence. Hop, 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 hop. J'étais sûr que j'allais pas avoir le time, hein, c'est terrible. C'est terrible. Putain, mais il me saoule son bouclier. Wow, tu es relou, mon gars. Il y en a encore derrière moi, il y en a encore derrière moi, il y en a encore un derrière moi. Voilà, allez hop, deux barres de vie. Il est où? Il est où? Il est où? Je suis sûr d'un... Là, non, attends. Où il est? Là, là. Voilà, hop là, dégage. J'ai pas l'occasion d'utiliser mon, comment dire, ma hache pour givrer quelqu'un réellement sans que ça le one shot depuis tout à l'heure. C'est terrible. Allez, 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 patate-le, enfin patate-le, sauf le bouclier si possible. Vas-y, 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 mange-le. Oh là là. On s'écarte, voilà, tout à l'heure j'ai bien vu que Zenora avec. Ok, 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 ok. Aïe, on échange. Voilà, ok, je l'ai bouffé. Je l'ai bouffé, je l'ai bouffé, je tiens à le dire. Voilà, écarte-toi, écarte-toi, écarte-toi. Attends, il y a de la vie, il y a de la vie, il y a de la vie. La vie, c'est, voilà, tout ce que je veux. J'ai failli la bouffer. Tellement la bouffer. Tellement la bouffer, j'aurais pu me barrer. J'aurais pu me barrer, quoique, quoique, quoique. Est-ce que, attends, je peux me barrer? Non, je peux pas me barrer, c'est bien ce que je pensais. Allez, viens de battre, viens de battre, viens de battre. T'es sur ta faim, mon pote, t'es sur ta faim. Tu nous auras pas, on est beaucoup trop doués pour toi. On a vaincu des dragons incroyables, des dragons bien plus gros, bien plus dangereux, bien plus incroyables, bien plus gros, bien plus stylé. Notamment, j'arrive pas à la voir correctement. Je bouffe, hein. Je sais que je bouffe. Allez, voilà, allez, go, 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 non. Hop, attends, il y a un coup, non c'est bon. Où est ma hache? C'est bon. Ok. Ah, voilà. Ah, désolé. Mais là, on enchaîne gros sur gros, donc effectivement, la concentration est de mise. C'est pour ça que je dis peut-être pas grand-chose ou que je dis peut-être n'importe quoi. Plus de Dalsim, gênant. Non, c'est bon, il y a un coffre là-haut. Je veux ce coffre. Je veux ce coffre. Nouveau travail de fabrication, comment ça? Rendre visite à Brock ou Sandry. Fabriquer l'armure du vagabond. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Formule de l'armure du vagabond. Est-ce que le vagabond c'est le mec qu'on vient d'affronter? Est-ce qu'il faut, attends, plusieurs vagabonds pour faire cette armure? Je veux savoir, jeunes gens, j'en profite. Je ne suis quand même pas 100 mètres de Sindri. Donc je veux savoir à quoi ça ressemble. C'est histoire de 2 secondes, hein, vraiment juste pour voir quelle gueule ça. Et si c'est intéressant pour la suite. Ah d'accord, je pensais que j'avais loupé ce coffre. Mais je me demandais comment est-ce que j'avais loupé ce coffre. Sindri, 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 t'as pas déménagé? Non, c'est bon. Tu veux bien regarder? Oh, les vagabonds. Oh, répugnant. Oh, l'odeur. Sans parler du nombre de bestioles là-dessus. Mais, belle armure. Je vais voir si je peux en faire quelque chose d'hygiénique. Ah, bah c'est ça, l'armure du vagabond. C'est une quête. D'accord, travail accompli, nouvelle formule. Déverrouillée, fais voir un petit peu. Fais voir, protection du torse. Plastron du vagabond. Oh, la gueule. Oh, la vache. Fragment d'armure de vagabond, il en faut 5. Oh, mais la tronche que ça. Attends, attends, mais c'est énorme. Ah bah, les gantelets sont pas ouf. C'est énorme, c'est énorme. Ok, bah écoute, on repassera à l'occasion pour ça. Très bien, donc jeune joueur, on a déverrouillé une nouvelle armure plus épique qu'épique, presque même légendaire. Est-ce qu'il y a des armures légendaires dans le jeu? Je pense que oui, hein, mais effectivement, celle-là doit sûrement en faire partie. Il y a carrément toute une quête qui est dédiée, c'est incroyable. Et je n'arrête pas de couper. Non mais c'est terrible, c'est terrible. Attendez, c'est bon? On est de retour, on est back? On est back, non mais cette histoire est trop bizarre. Je pense qu'aujourd'hui j'ai juste vous tourner un épisode parce que, et à mon avis il sera pas long, parce que c'est trop bizarre, il y a beaucoup beaucoup de problèmes depuis le début et Dieu sait que ça m'énerve. Alors on continue. Mimir, vas-y. C'est cet endroit. Bah, ah non, attends, oui. Tire. J'ai été envoyé ici en mission diplomatique. J'ai tenté d'amener Asgard et Vanaheim à négocier un accord de paix. Maudite guerre, tant de vies perdues. Ce que j'ignorais,
c'est que Thor avait déjà entrepris d'exterminer les géants. Il venait faire les géants au milieu d'une guerre entre les dieux. Absolument rien, petit. C'est là toute la tragédie de l'histoire. Ils n'ont jamais pris parti dans cette folie. Mais la paranoïa d'Odin n'a d'égal que la soif de sang de Thor. D'accord. Ok. Eh ben, c'est tous des psychopathes. Voilà, maintenant au moins on en est sûr. Alors attendez, parce que j'avais pas vu, mais apparemment on peut faire pivoter cette épée. Pas du tout. Alors soit j'ai pas appuyé sur mon côté, soit ça ne fonctionne carrément pas. Est-ce que c'est parce que c'est pris dans la glace? Est-ce que... Et bah non, ça ne fonctionne pas plus. Attends, si je charge... Bah non, je suis pas censé posséder la capacité de base. Non, je pense qu'en fait, il faut juste prendre la porte, hein, effectivement. Sauf que... Attends, je peux grimper là? Ah, oh, bordel, je peux pas. Est-ce que ce bloc, je peux le déplacer comme je veux? Parce que si je peux le déplacer comme je veux, j'ai un coffre juste à côté à aller chercher. J'espère que ça va pas ressauter avant la fin. C'est bizarre cette histoire de coupure, je sais pas de quoi ça vient, ça le faisait pas jusqu'à présent. Enfin, si, ça me l'a déjà fait, mais je tiens à dire qu'il contrôle en auto, hein. C'est pour ça, c'est pas moi qui contrôle le game. Presque bien. Eh ben non, malheureusement. Voilà. Tout ça pour ça, c'est pas grave. Plus de vie pour moi, merci beaucoup. Comment je vais chercher ce coffre? Comment je vais chercher ce coffre? Attends, parce que très clairement, c'était ça. Il y avait une petite montée. Mais je peux pas... Je peux pas emmener la caisse où je veux. Comment je prends cette montée? Faut faire tomber cette épée. Faut faire tomber cette épée, mais je sais pas comment. Si je frappe dans le dos, attends. Genre, si je fais... Non, je sais pas. Je sais pas. On arrive de plus en plus, jeunes gens, dans des phases où je commence à croiser des coffres runiques, des coffres classiques, des coffres légendaires de partout sans comprendre comment les récupérer. Ça m'énerve réellement. Parce que moi, quand je loupe des trucs comme ça, je peux pas empêcher de vouloir revenir plus tard pour les récupérer. Surtout que c'est important. Mais effectivement, là, je ne sais pas. Je vois aller où? À droite. À droite, ça fonctionne. Parfait. À droite, ça fonctionne. On descend. Parfait. Si on touche le sol, on est mort, hein. C'est de la neige qui est hors game, il faut le savoir. Bien qu'on soit presque un dieu, on est un dieu. Non, si. Bien qu'on soit un dieu de la mythologie grecque, il n'y a pas de problème, ça nous déglince. Voilà, comme jamais. On n'est pas habitué au froid, hein. C'est pour ça. Alors, de ce côté, ce truc rougeâtre, on peut l'activer. Et à partir de là, bizarrement, je ne la sens pas. Ah, mais il s'est rien passé. Et maintenant, notre cristal, t'as qu'un mot à dire. Un autre cristal, t'as qu'un mot à dire. Bah oui, mais tu viens de l'activer et ça n'a rien fait. Est-ce qu'il faudrait pas par hasard frapper dedans? Attends. Frapper. Ah si, c'est ça. D'abord on pousse. Voilà, et ensuite t'active. Vas-y. Et c'est pas mal. C'est pas mal, à mon avis, il faut le faire à répétition. Alors attends. Juste avant ça, est-ce que dans le coin il reste des trucs à faire? Oui, là, il y a un truc à faire. Pour récupérer un coffre. Je veux ce coffre. Et pour récupérer ce coffre, Eh ben je sais pas, secousse sismique, sûrement avec ce truc là, enfin j'espère. Allez, on est reparti. Deuxième coup de semence. Vas-y. Allez. Badaboum. C'est bon. Oulala, oui c'est bon. Vas-y. Oh non, mais non. Eh, ça ne se fait pas ça, hein. Eh bien, attends. Ce n'est pas un plan très discret. Maintenant il faut libérer l'autre sangle. Oui, pas de problème. Déjà, voilà, premièrement. Ensuite, deuxièmement, voilà, pour récupérer mon 10 coffres. Donc c'est comme ça qu'on fait, très bien. Et bah ça me fait plaisir, parce que dans tous les cas je le récupère. Et j'obtiens l'acier massif de Svartalfheim. Parfait. Sauf qu'effectivement, Nani. Ah d'accord, c'est pour ça. Et je me balance pas du tout. Comment ça va finir cette histoire? Très mal. Eh bien, la pointe du burin est sous d'épaisses couches de glace qu'on ne peut pas faire fondre. Exact. Et il n'y avait pas de cristal d'éclat à proximité sur lequel j'aurais pu tirer, donc c'était pas une option. Exact. Le seul moyen est donc de transpercer la glace, mais il faudrait pour ça un objet incroyablement lourd et... Oh, ça y est, j'ai compris. Bien. Nya. Ok. On est presque arrivé, jeune gens. On est dans le marteau. Non mais attends, c'est trop stylé. Qu'est-ce que on fout dans le marteau? D'accord, c'était pas exactement l'idée de base, mais pourquoi pas? Ça fonctionne aussi bien. Pour qu'il atterrisse près de la pointe du burin. Impossible. On va le libérer, descendre avec lui et aviser sur le moment de ce qu'on peut faire. Donc ton plan comporte une bonne part de chance. N'hésite pas à en proposer un meilleur. Accrochez vos ceintures, messieurs dames. Pas du tout.
Pas du tout. Mais attends, comment est-ce que je fais pour faire tomber ce marteau pour de bon? Mais est-ce que je suis sur le marteau au moins? Je suis sur le manche là. Ah ouais c'est ça. On est sur le manche, on est d'accord. Sauf que ce qui nous intéresse n'est peut-être pas le manche en lui-même, enfin peut-être pas le marteau dans son intégralité, mais juste... Oulala. Accroche-toi. Juste le marteau. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Comme plan, ça pue de ouf. Comme plan, mais ça pue de ouf. Vas-y Kratos. Vas-y. Oh bordel. Ce plan ne me dit rien. Moi non plus. C'était pas du tout une bonne idée. Et c'est pas du tout tombé du bon côté en fait. Ça sert à rien ce qu'on avait dit. Eh ben non. Et encore une fois, ça vient de sauter. Mais ça m'énerve. Bon, écoutez jeunes gens, bien que l'épisode sera un petit peu court, et j'en suis désolé, vous-même vous l'avez remarqué, il y a quelques problèmes qui font que ça devient totalement instable et ingérable. On va s'arrêter là pour cet épisode, je vous épargne le massacre, on se retrouve très bientôt jeunes gens, pour ce qui sera l'épisode 18, dans lequel, eh bien on ira libérer pour de bon ce marteau. Mais là, il faut que je fasse quelque chose, parce que j'en ai marre que ça saute comme ça, ça fait la troisième fois depuis le début, c'est insupportable. Bref, gros bisous à tous, portez-vous bien, et à très bientôt pour l'épisode 18. A plus tout le monde !